Bonsoir, 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 bonsoir. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, il y a comme un changement dans la matrice. Il y a comme un changement un petit peu inhabituel. Comme un parfum d'inhabitualité. Comme un parfum de changement. Soit quoi je vous répondrai bien évidemment par oui. Il y a effectivement du changement. Changement a commencé déjà par le... le placement de la caméra. Déjà, le placement de la caméra, il n'est pas comme, comme ce à quoi vous avez l'habitude de voir. Et oui, enfin, de voir. Pas comme c'est pas habituel, parce que, évidemment, visiblement, la caméra est en face et non plus en haut. Mais c'est ce que vous vous dites. Là, c'est ce que vous dites. Inconsciemment, c'est ce que vous vous dites. Vous dites, ah, tiens, il y a un changement au niveau du placement. Alors qu'effectivement, oui, il y a un changement. Mais j'aime bien vous faire mariner un petit peu, parce qu'en fait, non, il y a juste un ajout. C'est l'ajout d'une nouvelle caméra, qui est celle-ci. Voilà, la dernière arrivée, la Logitech C930. Qui est ici, qui est en renfort avec la Logitech Streamcam, parce que voilà, j'en ai pas une, mais j'en ai deux. Maintenant, dorénavant, il y a deux caméras pour opérer sur le stream, et ça, c'est juste extraordinaire, c'est juste formidable, c'est génial. Donc voilà, la première et la deuxième, et bon, bah, sans plus tarder, c'est... Bon, est-ce que ça remarche? Est-ce que ça va pas planter? Ça a bugué ou c'est moi? Non, ça a juste bugué. C'est juste, en fait, c'est même pas la connexion ou quoi que ce soit. C'est même pas le stream. Allô, je sais pas si on m'entend. C'est juste mon PC qui crache. Voilà, c'est juste mon PC qui décide de cracher. Au meilleur moment, je te revois. Non, c'est juste mon PC qui décide de crash. Ça fait deux fois d'affilée. Ça fait deux fois d'affilée qui crache. Je sais pas trop pourquoi. Je vais essayer de trouver le pourquoi du comment, mais ça fait deux fois qui crache. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir un bon PC quand même. Hein, mais je sais pas pourquoi il crache. Mais baisse-moi ce son. Aïe. Quel son? Celui-là. Est-ce que ça va mieux? Ah, c'est bon. C'est mieux? Voilà. Ah, bah ouais. Bon, effectivement, voilà. Il y a une caméra qui a été... Qui a été sacrifié, putain de merde. C'est bien ce qui me semblait, voilà. Donc là, coucou. Et hop là. J'ai une caméra qui a été sacrifiée. Celui d'Animal Crossing. Ah, pardon, pardon. Je vais baisser ça tout de suite, voilà. J'ai baissé le son d'Animal Crossing. Voilà. Salut, Sully, salut, salut. Attends, non, on va pas faire ça quand même. On va pas mettre ça. Que je trouve la solution. Ah, ouais, j'ai réapparu. Incroyable. Voilà. Ah, voilà. Bah, impeccable. Parfait.
On voit plus que ce beau crâne luisant où qu'il est. Ah, voilà, c'est formidable. Donc voilà, comme je disais, voilà la petite nouveauté. C'est pas une, mais deux caméras incroyables. Voilà, donc maintenant, habituez-vous à cette nouvelle configuration qui, je l'espère, vous conviendra. Et que ça convienne à l'image et surtout que ça convienne au PC qui ne crache pas cette fois-ci, qui ne plante pas. Parce qu'alors là, c'était le gros freeze. Hein. C'était vraiment le freeze de chez Freeze. Hein. C'était... Donc voilà. Donc voilà. Donc là c'est bon. J'ai aussi baissé le son d'Animal Crossing. Ça convient toujours. Vous êtes formidable. Vous savez que vous êtes formidable. Vous êtes bienveillant et formidable à la fois. Vous êtes les deux. Vous êtes des pépites. Vous êtes des crèmes. Vous êtes des petites crèmes. Vous êtes des petites crèmes aux œufs. Ah là là, incroyable. Ah, oh si, oh, il faut que je tienne une promesse. Parce qu'une promesse, c'est une promesse. On enlève ça de suite. On enlève le Wi-Fi de suite du téléphone. Surtout que j'aille vite sur le live. Et que je fasse ça. Alors, où es-tu ? 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 Comment on fait pour voir les viewers là ? Bon, je vais pas créer une clip, on s'en fout. Je veux pas ça non plus. Ah bah si, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un truc qu'il a promis. Il tient parole. Il tient parole et c'est parfait parce que bon, on est au bon moment. Que va-t-il se passer? Mystère mystérieux, mystère et boule de gomme. Mystère et boule de billard. Mystère tel qu'un crâne aussi chauve que chauve. Chose promis, chose due. Chose promis, chose due, mon petit kangourou. Je t'avais promis que si jamais tu trouvais le fameux jeu caché, j'offrais un sub. Enfin, si vous trouvez le fameux jeu caché, j'offre un sub. Tu l'as trouvé, mais malheureusement, tu étais déjà sub. Enfin, malheureusement. Oh, c'est vrai, je l'avais gagné. Merci beaucoup, je vais le remettre. Ben voilà. Ben écoute, après, si tu veux en mettre un autre, il n'y a pas de souci. Si tu veux mettre un tiers 2, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, j'en profite pour le placer. N'oubliez pas que c'est le September. Ce mois-ci, c'est le September. Donc, non seulement les prix des subs ont baissé, certes, mais surtout il y a des promos. Donc si jamais vous souhaitez sub, c'est vraiment le moment de faire non seulement une bonne action, parce qu'on va vous opérer une bonne action, mais en plus de ça vous obtenez le sub. Et ça c'est extraordinaire. Comme ça vous avez les émotes, vous avez tout. Et ça c'est juste génial. Ça c'est juste génial. Allez, on va continuer du coup. La rénovation, alors, il fait sa propre pub sur son live. Bah oui, mais encore, bah je... Oui. C'est honteux. Oui, monsieur, j'assume totalement. Oui. C'est honteux, c'est honteux, écoute, ouais, j'assume totalement. Énorme. Eh oui, voilà, c'est énorme, j'assure totalement. J'assure et j'assume totalement, et puis voilà, et le chat est... Oh, c'est amer. Enfin ta mère, je parle de l'amertume. Je plaisante, tu as bien raison, mais je sais bien que tu plaisantes. Alors on a de la visite sur le camping. Du coup on va essayer de voir si on peut gagner ce nouvel habitant éventuellement, s'il est cool ou s'il est pas cool, bon bah tant pis.
S'il est pas cool, ce sera pas une grande perte, on s'en fout. Mais s'il est cool, je le veux, comme ça, ça remplacera un habitant. Et si ça peut remplacer l'autre conne là qui est arrivée, la chèvre miel là, qui est arrivée. Bon, je la voulais pas, moi, celle-là. Je sais pas, elle arrive comme ça. En mode YOLO. Coucou, j'arrive. Bonjour, je viens d'arriver. Je m'appelle Janine et je viens d'arriver. Je viens d'arriver sur l'île. Non, ça se passe pas comme ça, là. Non, 9999. Même pas sur l'île comme ça. Après, deuxième nouvelle aussi. C'est l'arrivée aussi d'un nouveau boîtier de capture. Dis, bon, tu as réfléchi à ton planning de la semaine pro, histoire qu'il y a des jeux auxquels je peux participer, je m'arrange pour faire garder le petit. Ah, j'ai pas encore réfléchi. D'ailleurs, toi, tu me donnes, on va dire, tes disponibilités, que je puisse les adapter au mieux. C'est pareil, vous aussi, hein, si jamais vous souhaitez me donner vos disponibilités pour me rejoindre, hein, sur des sessions, parce que bien sûr, la semaine prochaine, on va programmer une session de Phasmophobia. À nouveau, on s'est vraiment régalé. Du coup, on va refaire une session Phasmophobia. Donc, si jamais vous souhaitez nous rejoindre sur Phasmophobia, vous connaissez le refrain, le Discord, vous me balancez du coup vos disponibilités. Et comme ça, au moins, ce sera mieux. Ce sera beaucoup mieux. En termes d'organisation, ce sera beaucoup mieux. Et comme ça, au moins, pas d'excuses. Moi, je m'adapte, je suis du matin, alors je suis quasi tout le temps libre l'après-midi. Ça, c'est bon à savoir. Ça, c'est bon à savoir. Je pense qu'on le fera certainement... Je pense qu'on le fera mercredi. Mercredi, sauf contre-temps. À quel régal sur Phasmo, c'est clair. C'était génial. C'était vraiment génial. Super session, extraordinaire. Franchement, au top. Hein, cette session Phasmo, vraiment au top. Et encore, on a vraiment improvisé. Franchement, c'était gratin. C'était du gratin. C'était du gratin dauphinois, vraiment. Pas de live Sea of Thieves prévu. Je ne sais pas encore. Faut que je réfléchisse au planning. En espérant qu'il n'y ait pas de contre-temps non plus. Bon, là, exceptionnellement, il y a eu des contre-temps jeudi et vendredi. Donc, vendredi, c'est vraiment à cause de la pluie. J'ai pas pu. J'ai clairement pas pu. Le jeudi, il fallait que j'achète du matériel. Donc, j'ai pas pu. C'était un petit peu compliqué tout ça. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de contre-temps particulier la semaine prochaine. C'est mal d'avoir des contre-temps, il n'y a aucun souci, je sais bien. Donc voilà, donc c'est un live un petit peu sauvage, hein, comme je vous l'ai promis. Hein, j'ai dit, vous allez voir, il y aura un live, un ou deux lives sauvages. Parce que peut-être que je ferai un live demain, je ne sais pas. Peut-être que ce sera un live sauvage impromptu. Mais bon. En tout cas, lundi, on continue du coup El Famoso Nuzlocke. Donc on va faire la suite, enfin l'après, hein, l'après-jeu, parce que je rappelle que ça y est, on a terminé le Nuzlocke officiellement. Mais comme vous êtes des gens gentils, et que vous êtes formidables, vous avez voté pour la continuité du mode Nuzlocke. Voilà. Bah, tu peux me compter présent pour Phasmo et si aussi s'il y a. Si je viens pas, je pars au Pérou. Ah! Ah! Bah écoute. Bah avec les sous que tu as économisé pour le sub, je te propose de réserver déjà dès à présent ton billet pour le Pérou, comme ça au moins c'est déjà fait. C'est jamais. Au pire des cas, tu peux le revendre, c'est pas un souci, hein. ça fera même des sous. Tu peux même faire une plus-value sur ça. Sur le billet du Pérou, tu peux même faire une plus-value, ça c'est cool. Donc du coup, je disais, le Razer Ipso, je pense qu'il va prendre des congés, puisque j'ai un nouveau boîtier de capture, Naver Media.
Ah, c'est génial, la continuité du newslog, je suis heureux, je t'avais dit, j'ai voté en premier. Ouais, vous êtes formidables. Vous êtes des gens formidables. Donc vous avez tous souhaité la continuité du mode newslog. Voilà. Oh, il se fout de ma gueule là, le Poiscaille là. Le petit requin là, il se fout de ma gueule là. Allô ? Ouais. Ah non, j'ai vu qu'il y a personne qui a voté pour te laisser une fin tranquille. Si, il y a Clark Kent qui a voté. Pour une fin tranquille. Putain, requin baleine! Oh la vache! Ah ouais, non, mais ça rigole plus là! Oh! Oh la vache! À nous le sel partonne lundi. Oh putain, mais grave, avec Jean Valjean là. Oh putain. Avec les gens blogueurs humoristes là. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, déjà on a la Master Ball, donc ça va, c'est cool. On va pouvoir capturer. Alors c'est Zacian, je crois, ouais. On va pouvoir capturer Zacian, mais putain, avec Jean Torché et j'en peux plus. Oh mon dieu, ça va être. Ça va être la foire d'empoigne. À nous le sel partonne lundi. Ah oui, mais d'ailleurs, n'oubliez pas. Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Eh oui. Après, faut pour en revenir. Je change un petit peu de sujet au niveau du newslog. Pour en revenir au stream, je peux vraiment pousser aussi le délire des cams un peu plus loin, parce que bon là du coup ça en fait deux, j'en suis vraiment vraiment content, je suis vraiment très content. Pour être bon, il est bon, ah bah putain, il y a intérêt, ah, plus de place, comment ça? Plus de place, Roméo? Est-ce que j'ai de la place pour des pêches? Oui, j'ai de la place pour des pêches, ça c'est cool. J'ai encore deux webcams, j'ai encore deux C9, là c'est la C930 que j'ai mis, mais j'ai deux C920 en réserve, donc au cas où je peux même en mettre partout. Je peux en mettre partout, je vais mettre plein de cams, ça va être génial. Alors achète-moi des trucs. Alors oui, qu'est-ce que tu vas m'acheter? Tu vas m'acheter tous les fruits. Ah putain, c'est vrai que j'ai oublié d'empocher les clochettes. Parce que du coup, ces clochettes, ça va servir pour le financement bah, du coup de la rampe. De la deuxième rampe du musée. Ça serait incroyable. Plus de cam que de Pokémon à la fin du newslock. Mais c'est ça le pire. C'est le pire, c'est que j'ai plus de webcam que de Poké. Putain, pourquoi je regarde celle-là en face alors que c'est celle-là? J'ai plus de webcam que de Poké. C'est dire, mon dieu. C'est la dèche. C'est la dèche, hein, c'est vraiment la dèche. C'est la dèche, là. On va finir un point où aussi j'aurai plus de boîtiers de capture, de boîtiers d'acquisition que de Pokémon. Oh là là, ça devient dur, ça devient très dur. Ça devient très dur. Là la vie commence à être compliquée. Là, on sent toute la difficulté de la vie. Ça devient trop dur. Ça devient trop dur. Oh là là. Une table tronc. Mais je connais déjà la table tronc. Parce que d'ailleurs, ma table tronc que j'ai construite, je l'ai appelée pète. Parce que ça fait la table trompette. Voilà, merci. C'est tout pour moi.
J'espère que vous avez apprécié ce grand moment. Ce grand moment de stream. Il y a des moments comme ça dans la vie d'un streamer. Allez, je m'en vais, comme humour sur ce live. Bravo pour la blague. Merci, merci Killer, merci. Voilà, mais en fait, je crois qu'il y a plus... Non, il n'y a pas plus d'humour que de Pokémon, en fait. Et moi, je débarque. Bah écoute, tu débarques au bon moment. Tu débarques au bon moment. Toi, tu as débarqué juste pile pour cette magnifique blague. Cette blague extraordinaire, cette blague magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de magnifique, puisque on modifie un petit peu aussi la chaîne. Peut-être que l'overlay sera modifié pour Animal Crossing. Peut-être que je vais mettre un overlay. Peut-être que je vais mettre un overlay spécial Animal Crossing. Je me tâte. Je me tâte de faire ça. Après, je ne sais pas ce que vous en dites. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on achète un overlay spécial Animal Crossing? Parce que j'en ai vu un qui est plutôt pas mal, fait par Infographics. Je ne déforme pas leur pseudo. D'ailleurs, je vais leur commander des animations, tout ça, pour le stream. N'hésitez pas à les follow sur Twitter. Un bon boulot. Oh putain, son cousin Germain Després. Oh là là. Saint-Germain des Prés, je crois que c'est une station de métro à Paris, ça, Saint-Germain des Prés. Ou un truc comme ça. Je crois que c'est un parc à Paris. Décidément, putain, mais non mais l'humour, non sans déconner, non mais l'humour est à l'image du joke, hein, déplorable. L'humour de ce stream, mon dieu, l'humour de ce stream. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau? Enfin, un maillot de baseball. Alors j'ai vu Bajou, voilà, Bajou, salut Bajou, est-ce que c'est à toi ce sac à dos, tout dégueulasse, hein. J'ai le même humour que toi. Ah putain, non mais non mais clairement. Il est à mon image. Et Choupin, vu la tête que tu tiens, je crois que je ferais mieux de me lever. Bah oui, lève-toi et marche. Merci de ta patience. Alors qu'est-ce qu'y a-t-il? C'est à toi ça? Ce sac à dos là, cet objet perdu. Ah, seulement c'est à moi, c'est tellement stylé. Il va plutôt voir Ramsès, ça pourrait lui appartenir, c'est son genre. Ah, c'est Ramsès. C'est à Ramsès. Tu as qui en habitant? Alors, en habitant. Du coup, j'ai celle-là là, qui vient d'arriver. Berk, dégueulasse. Non, je voulais ouvrir le truc là. Je voulais ouvrir la map. Allô? Mais... Ah, voilà. Comme ça, tu as. Les habitants. Alors j'ai Bajou, j'ai Ramsès, j'ai Marvin, j'ai Kali, j'ai Mathilda, j'ai Mireille, oui j'ai Faustine, ouais. J'ai Faustine, j'ai Linette, j'ai Mai, j'ai Angus. Alors j'ai même des Maïnouk plus. Il n'y a que Mai qui maille. Ouh là là. Ah, je crois qu'il y a un petit kangourou énervé qui essaie de communiquer. Celle-là est gratuite. Ah ouais, non, mais elle est clairement gratuite. Oh, putain, celle-là, elle est vraiment gratuite. Oh la vache. Mais elle est forte, comme la moutarde. Oh là là. Oh merde. Putain, ça y est, ça part en blague. Ça y est, là, on nous perd. Ça y est, on nous a perdu. Ah bonjour, monsieur Giroïde.
J'en ai une autre si tu veux, à volonté. Ah, merde, je suis désolé pour les messages précédents. Y'a pas de soucis, hein, c'est juste. C'est juste le petit kangourou énervé qui essaie de communiquer. D'accord, on va donner. On va donner le montant max, en sachant qu'on a encore à donner. Oui, coucou. Merci pour votre contribution. Avec The Kid Cat. L'anglais de câlin. Avec qui des quatre? Oh putain. Pop 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 pop. Là il y a du niveau, hein. Il y a du niveau. Ah là 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 là. Ah là 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 la commu la commu à un haut niveau. La commu à un haut niveau de joke. Incroyable. Alors, je vous dis que ça me visite. Mesdames et messieurs, l'humour nous a quittés ce soir. Rendez-vous demain pour le voir revenir, c'est pas sûr. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible, l'humour est parti. Sans nous dire au revoir. Je suis très drôle, ah bah oui. Ah mais on ne nie pas, on n'est pas là pour nier. Jeanne au secours. Jeanne au secours. Oh là 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 là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Quel humour, quel humour. Quel humour ravageur. Mais vous m'avez pas dit alors du coup pour l'overlay Animal Crossing. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'achète un overlay Animal Crossing? Pour faire du Animal Crossing. Telle est la question. That is the question. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me fait penser à la scène dans Rrr, quand Jean Rochefort il expose son plan pour aller pour voler la recette du shampoing. T'as l'impression autour de toi qu'il y a des capacités graphiques. Si, mais en fait j'ai trouvé super stylé l'overlay d'Infographics. Tu as 5€, c'est pas 5€ qui va me trouver le cul. Mais je l'ai trouvé très joli. En plus, il est animé. Franchement, non, ils font un bon boulot. J'ai envie de les encourager. Parce qu'après, oui, j'ai des amis graphistes. Mais après, ça dépend. Après, moi, je peux le faire aussi. Hein. Je suis pas graphiste non plus. Il ressemble à quoi? J'enverrai le lien sur Discord. J'enverrai ça sur Discord. Je trouve sympa. Il est joli. Bon, mais il est à l'image d'Animal Crossing. Hein. Mais je trouvais ça sympa. Puis bon, comme je dis, à 5€, c'est parce qu'on a trouvé le cul, quoi. Déjà, là, je vais acheter l'animation pour le September. Parce que oui, j'ai oublié de le dire. Alors là, j'ai envie de mettre la musique du télé-shopping. Parce que oui. Attendez, on va se remettre bien comme il faut. Parce que oui, effectivement, ce mois-ci, c'est le mois du September. September, c'est-à-dire des promotions sur les subs. Si vous n'êtes pas sub à la chaîne, n'hésitez pas à sub. Parce que bien évidemment, il y a plein de promos. Et il y a même aussi un lag de la caméra. La caméra de base, on va changer les réglages. Tac, 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 tac. On va changer un petit peu les réglages. On va baisser les réglages, on va les mettre comme ça. Allô ? Non, ça. Donc, clac, voilà. Vendeur, c'est vendeur de tapis. Donc, il y a bien sûr des promos. Parce que, bien sûr, les subs ont non seulement été rétrogradés à 3€, mais vous avez moins 20% sur tous les subs de la chaîne, y compris la mienne, bien sûr, et encore plus. Si jamais vous avez Amazon Prime, vous avez un sub gratuit par mois.
que vous pouvez utiliser sur n'importe quelle chaîne de n'importe quel streamer. Voilà, c'était à l'instant promo. c'était l'instant vendeur de tapis. Effectivement, le même prix qu'un kebab frite, et même moins cher d'ailleurs. Parce que le kebab frite n'est pas à 3,99€. Non, 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 c'est le prix du cookie. 3,99€, moins 20%, ce qui vous fait au total un sub à 2€ et des brouettes. Franchement, c'est le prix d'une canette de coca. À ce prix-là, vous pouvez encourager votre streamer préféré. Et ça, c'est le September. Il fallait que je regarde le stream deck, parce que sinon j'allais appuyer sur un mauvais bouton. Témoignage client, c'est incroyable. Depuis que je suis sub chez Foils, ma vie est devenue plus simple. Ah mais clairement, tu as très bien fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais oui, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à demander des témoignages de clients. Enfin de clients. C'est même pas des clients, parce qu'au fond. Oui, certes, c'est une démarche commerciale, mais vous encouragez, vous m'aidez, puisque bon, voilà, vous m'aidez financièrement à pouvoir upgrader les streams. Et d'ailleurs, grâce à ce sub, bah, depuis ce jour-là, Kangourou énervé, il est tout bleu. Voilà, c'est incroyable. Ça révolutionne votre vie. Et oui. Parce que bien sûr, prendre un sub chez FoilsVD révolutionne totalement votre vie. Grâce au sub acquis chez FoilsVD, vous avez non seulement une augmentation capillaire, mais en plus de ça, grâce à ce sub, vous bénéficiez d'une barbe soyeuse. Et ça, ça n'a pas de prix. Oh là là, incroyable! Incroyable! Oh là là, si ça donne pas envie de se sub ici, je sais pas, hein, je me coupe une testicouille. Hein. Vraiment, là vraiment. Je ne sais pas. Je sais pas quoi faire hein, si ça vous donne pas envie. Vraiment, là. Oh là là, incroyable! Incroyable! Oh! Ah non, merde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je voulais tenter l'alerte, mais ça n'a pas marché. Oh là là, je suis rentré dans le tier 1. Quel exemple pour la communauté. Oh là là, incroyable. Ça a changé ma vie avant elle. Avant, elle était morose et pâle. Maintenant, je respire la joie. Je recommande à tous mes amis. Mais oui, c'est une recommandation. Et en plus de ça, j'oubliais de vous dire que si jamais vous prenez ne serait-ce qu'un sub en tier 1, vous bénéficiez des émotes de la chaîne. Si jamais vous contractez un sub tier 2, vous avez non seulement les émotes de tier 2, mais en plus de ça, vous bénéficiez également des émotes tier 1. Il en va de même pour le tier 3. Le tier 3, vous aurez accès aux émotes de tier 3, aux émotes de tier 2 et aux émotes de tier 1. Tout ça pour une modique somme, puisque nous sommes dans le September. Alors, n'hésitez plus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cet homme vend père et mère. C'est pas grand chose, juste une serviette de bain. Oh, j'espère que ça te plaît. Ah ben merci pour le cadeau. Oh, c'est formidable. J'aurais pu offrir des subs, Ramsès. Hein. Je suis déçu. J'aurais pu offrir des subs à la commu. Quel BG. Ah là 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 là. Ah. Incroyable. Oh là 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 là. Incroyable. Oh, ce move. Kangourou énervé qui offre un sub à Quiller. Oh là 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 là. Killer ou Quiller, je sais pas comment on dit ton pseudo. Je n'arrive pas à le prononcer. Ah là là, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah là là, merci, quelle générosité. Ah là là. Ah, le subgift, le meilleur des rendements. Ah bah oui. Oh là là.
Ah, merci pour lui, merci pour lui. Et grâce à ta générosité, kangourou énervé, Quiller ou Killer peut maintenant bénéficier des super émotes de la chaîne, les émotes FouSVD. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Quelle générosité! Oh là là, ce September! Ce September, mesdames, messieurs, ce September, il commence sur des chapeaux de roue, hein. Ah là 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 là, incroyable. Merci beaucoup. J'en ai perdu, Mako. Oh, t'en as perdu, t'as perdu ta connexion. T'en as perdu ta connexion, c'est incroyable. On va mettre comme ça, est-ce que ça fait mieux? Ça fait mieux, j'ai un meilleur teint. Et encore un grand merci pour Killer ou Quiller. Oh là, j'adore, 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 j'adore la double cam là, j'adore. Ah, j'adore cette feature de double cam. Oh, la double cam, c'est ma nouvelle cam. Oh, 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 oh. Merde, je vais dire là, c'est là. Oh là là, incroyable. Je vais offrir le sub et hop, plus de co. Incroyable, c'est l'effet sub ça. C'est l'effet du September. C'est l'effet Kiss Cool ça. Appelle-moi le Serial Killer. Oh là 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 là. Oh là là, putain, l'humour. L'humour est à son paroxysme ce soir. Oh là là, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes chaud comme la braise? Ah là 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 là. Ça en est presque un one man show, hein. J'ai tous les logos devant mon pseudo. Oh bah écoute, ah bah tu les voulais, hein. Ah tu voulais les logos, hein. Tu les voulais, mais non, tu les as voulu, tu les as eu, hein. Oh là là. Ah mais quelle générosité, merci beaucoup quand même. Franchement merci, merci. Vraiment merci, merci pour lui. Merci pour lui et merci pour... pour avoir offert ce sub. Et voilà, on augmente. Aïe, merde, je fais bouger le bureau. Et du coup, on augmente la courbe qui est là-haut, qui est magnifique. Pour l'ajout de nouvel émoticône. Et oui. Et oui, ça me fait plaisir de soutenir la chaîne. Après, j'ai fait sub aléatoire. Bah, merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, bah, je vous spoil sans trop vous spoiler, puisque bon, vous connaissez déjà le prochain. Le prochain émote qui va arriver, le prochain émote de la chaîne. Ça va être. Alors, hop là. C'est pas optimal ça. C'est pas optimal. Du coup, je vais vous dévoiler entre guillemets, parce que c'est plus du dévoilement d'émoticônes, puisque vous connaissez, vous le savez déjà. Mais pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quelle est cette émote et pourquoi, surtout le pourquoi du comment, parce qu'il y a toujours une histoire derrière un émote. Les émotes ne sont pas là aléatoirement, ils ne sont pas faits aléatoirement. Ce n'est pas... Mais le voilà, le prochain émoticône. Émoticône pour les tiers 2, j'espère. Voilà, ce sera un émote de tiers 2, j'espère. En tout cas, j'espère que ça va débloquer. C'est notre ami Jean-Pierre 3D. Le Jean-Pierre 3D, incroyable, magnifique. Oh là là, et en plus, regardez ce magnifique crâne dégarni. Magnifique. Ça, ce sera du coup le prochain émote qui rejoindra la famille. Enfin, j'espère que ce sera un émote de tiers 2 qui sera débloqué. Du coup, voilà, le prochain émote, ce sera lui. Ce sera notre magnifique Jean-Pierre 3D. Qui a gagné plein de sous, regardez ses sous.
Regardez, c'est cet argent, c'est l'argent, c'est l'argent des subs. Voilà, c'est l'argent des subs qui est derrière lui. C'est toute la moulaga des subs. C'est parti derrière Jean-Pierre. Voilà, notre Jean-Pierre 3D, notre Jean-Pierre 3D international. Bien sûr. Et pourquoi Jean-Pierre 3D ? Parce que nous faisons énormément de qui veut gagner des millions. Mais sur PS2, bien sûr, sur la chaîne. Aïe, je me cogne en plus sur le micro. Je suis vraiment un mongol. Alors, prochaine acquisition, tu as regardé le clip de Sébastien sur Phasmo, il est incroyable. Oui. Ah putain, mais je me lasse pas. Putain. Dis-moi pas que t'es mort. Dis-moi pas que t'es mort à bout. Ah. Connard. Oh putain. Tu m'as bien eu. Alors, du coup, projet, parlons projet sur Animal Crossing. Ce petit monticule que voici, que voilà, nous allons faire, bien sûr, le restaurant de Philippe Etcheboost. Eh oui, ça va être le restaurant de Philippe Etcheboost. Oh merde, oh c'est con ça. Et voilà, on va le mettre ici, il va être beau, hein. Une belle surface. Une belle terrasse. Ouais, magnifique terrasse. Et puis jamais. Et puis hop là. Je croyais avoir vu le pire, mais je vais tomber sur quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Et on va repartir sur un petit instant. Autopromo. Oh, Etchebest. Oh, Etchebest. Et bien sûr, si jamais vous venez à acheter un abonnement, enfin un sub tier 2, vous bénéficiez du superbe émoticône. Attention les yeux. Le voici, le voilà. Etche Bouddha. Oh là là, si ça c'est pas magnifique. Et je rappelle bien sûr que nous sommes en plein mois du septembre. Donc, promo sur de la promo des subs. Incroyable mais vrai. N'hésitez plus. Oh là 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 là, que des promos. Etche Boost, on t'aime. Oh putain, on t'aime avec un cœur comme ça. On t'aime comme ça, grand comme ça. On t'aime grand comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? Du coup, on va emménager le resto. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut, bien sûr, le nécessaire pour aménager le resto. Allez, c'est parti. On va voir déjà ce qu'on a comme objet pour pouvoir aménager le restaurant d'Etche Boost. Est-ce que nous avons le nécessaire? Alors, déjà, nous avons de quoi nous asseoir. Déjà, c'est primordial. Je me rate l'oreille. Ah, il faut un restaurant de Cali. Alors, une table nappée. Oh, une table nappée. Oh là là, ça, il faut la nappe tablée. La table nappée. Il faut la table nappée. Putain, alerte. Alerte AVC. Alors, une table nappée. Alors là, c'est prioritaire. Il faut y avoir tout vu hier, mais là, j'en découvre encore. Alors, on va la placer dans les poches. Bien sûr, accompagner une table nappée, une chaise de jardin, pourquoi pas une belle chaise de jardin. Il en faut même 3 ou 4, et oui, mais il en faut 3 ou 4. Il faut qu'on en réussisse à en dégoter 3 ou 4. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on opte pour un resto un petit peu moderne, avec une table nappée et une table années 50? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Philippe, qu'est-ce que tu en penses? Je croyais avoir tout vu hier, mais là j'en découvre encore. Ah, apparemment il n'aime pas trop. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le resto? Qu'est-ce que vous voyez comme déco? Le mélange des deux, ça n'ira pas, je pense. Ouais, non, ça n'ira pas. Ça ira pas du tout. Alors il faut un comptoir. Alors le comptoir, on va le bricoler. On bricolera le comptoir, je pense. Enfin, si on peut bricoler. Qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'on met un Godzilla dans le resto? Ah,
Très bonne question. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On n'a pas beaucoup, hein, on n'a pas beaucoup de meubles. On n'a pas beaucoup de meubles, c'est un peu emmerdant. Et puis après, c'est évidemment un Godzilla, ça va nickel. Ah bah oui, mais bien sûr. Alors, question, est-ce qu'on prend un Godzilla gris ou est-ce qu'on prend un Godzilla bleu? Telle est la question. Est-ce qu'on prend le bleu ou le gris? T'as pas grand-chose, malheureusement. Eh non, j'ai pas grand-chose. Alors déjà, il faut une carte. Il faut le menu du jour. Déjà, il faut le menu. Petit tableau pour le menu. Ah oui, bah déjà, il faut un petit tableau. Il faut le menu. Qu'est-ce qu'il faudra? Alors du coup, dans le Godzilla, le bleu, car il est tout bleu. Ah bah oui, le bleu, parce que... Il est tout bleu. Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. On va faire un restaurant bleu. Une poubelle bleue, non, 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 on n'est pas chez Tata Mercotte. Oh, on va pas mettre des éléments comme ça, tout va. La poubelle, on la mettra dans la cuisine, parce qu'on va la séparer. On va la séparer, parce qu'on va faire un coin de cuisine aussi. Hein. Il faut que, bien évidemment un coin de cuisine, hein. Il faut bien sûr la cuisine. Et dans la cuisine, il faut un évier utilitaire, un petit congèle pour la cuisine. C'est vrai, un petit congèle pour la cuisine. Alors, est-ce qu'on fait une petite scène pour les convives? Tu vois, genre petit resto lounge. Et puis la chanteuse. Oh, les crafts, tu as peut-être des choses intéressantes. Ouais, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait une petite scénette? Pour mettre justement une petite ambiance, atmosphère. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, mais on a la kitchenette fonctionnelle! C'est vrai! Alors, maintenant, on va regarder les crafts. Non, voilà, c'est ça que je veux, merci. Création. Vraiment petit, alors un saxon, un micro, une guitare, pas plus. Ah ouais, bon, on va faire ça. On va faire ça. Alors, en craft intéressant, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Déjà une clôture, déjà pour séparer les gueux des... Oh, une kitchenette en bois de fer, ça c'est joli ça. Mais j'ai pas la planche à pain et la commode en bois de fer. La commode, j'ai pas le plan pour la commode. Je peux faire une pile de lingots, ça c'est cool pour la salle au trésor. Je peux même faire un mur paravent en or, vraiment petit alors, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas faire un chapeau. Chapeau en forme de fesses. Un distributeur d'eau fruitée, ouais. On peut faire un Gundam. Ça, on peut le faire. Ah non, j'ai pas assez de pépites de fer. T'as vraiment pas grand-chose, malheureusement. Ouais, non. J'ai un bougeoir en bambou. On peut faire des vases. Après, on peut faire une atmosphère chill avec le petit xylophone et tout. J'ai le lanterne de floraison. Après, on peut faire des coquillages. Bon, les trucs de Pâques, ça, on s'en fout. On va faire ça, voilà, mobilier, ça va être plus simple. Ça va être plus simple, comme ça, ça sera plus simple. Donc du coup, on peut faire un stand, ça oui, on peut faire un stand. Donc du coup, on va faire le stand, parce que le stand, ce sera le comptoir qui donnera la cuisine, en fait, qui ça fera le lien avec la cuisine. Petit buffet avec le distributeur de jus de fruits, tu mets un plat dessus si tu as... Ah, bonne idée. On peut faire une fontaine. Oh, on peut faire une pierre tombale. Une bonne idée, ça aussi. L'eau de poutre en fer. Donc ça, la kitchenette en bois de fer, tain, ça me fait chier, j'aurais bien aimé la faire. La bibliothèque, ça va pas nous servir. On peut faire des abutons, mais j'ai pas de abutons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on n'a pas grand-chose non plus. Alors, petit buffet avec le distributeur de jus de fruits. Alors, le buffet.
Le buffet. Je crois que j'en ai un de buffet. J'en ai vu un dans mon inventaire, il me semble. Donc déjà, on va crafter un stand, déjà. Ça, on va ranger. Entreposer. Et petit caillou, entreposer. Déjà, table nappée, tu peux la commander pour en avoir deux ou trois. Ah, bon, déjà ça. Déjà, on va commander la table nappée pour en avoir deux ou trois. Déjà, ça va nous servir. Pour le stand, qu'est-ce qu'il me faut déjà? Il faut du bois simple. Merci Zetsui pour ton raid, merci beaucoup et bienvenue aux trois personnes. Bienvenue sur la chaîne chevelu, extraordinaire. Ici, vous aurez absolument tout, des tutos pour avoir une capillosité soyeuse, mais aussi des conseils brushing et surtout, le meilleur des conseils, les coiffeurs. Quel coiffeur choisir entre Jacques Desange et Franck Provost? Vous aurez absolument tout. N'hésitez pas à vous installer confortablement sur votre petite chaise. Prenez un petit verre de lait avec des biscuits et nous allons continuer Animal Crossing. C'est parti! Oh là là, incroyable, j'adore faire le vendeur comme ça, c'est génial. Ah, je me régale. Ah, quel régal, ça, quel plaisir. Mon Dieu, quel plaisir. Ah là 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 là, c'est un kiff là, cette deuxième webcam, c'est un kiff, même si ça lag un petit peu, c'est un petit kiff. Je laisse en lurk, mais je vais manger, bisous, merci beaucoup, merci Zetsui, et bon appétit. Bon appétito. Alors, revenons à nos moutons. Du coup, on va prendre du bois. On va mettre ça dans les poches. Dans les petites pochettes. Alors, du coup, on va bricoler. Bien sûr qu'on va bricoler. On va réaliser un petit stand. Donc, le stand qui servira, bien sûr, de frontière entre la cuisine et la salle de restauration. Tu as une table assez longue. Je sais pas du tout. Parce que oui, j'ai des tables rondins. Je peux faire une table en rondin, mais pour faire le buffet à volonté. Ah! 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 Ah ouais! Ah, ah ouais! Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à la table pour le buffet, la table longue. Qu'est-ce qu'on peut faire comme table? Où tu déposes des plats, la machine à jus de fruits. Mais ouais, je pourrais faire la table. Pourquoi que je peux faire une table basse en bois de fer, non? Parce qu'il y a la table rondin, mais la table rondin, quoi que. Wow, une table sirène. Oh, grande classe, quoi, vraiment. Alors là, resto 4-5 étoiles. Je peux faire la table rondin, par contre, ça oui. Mais la table rondin, table tronc, ça fait pas beau. Table sirène. Ah, je peux faire la table sirène, soyons fous. Hein. On peut même faire un coussin chrysanthème. Ah non, non j'ai pas de chrysanthème. On peut faire la table sirène. Que va penser Chubboost après? Je croyais avoir tout vu hier, mais là j'en découvre encore. Voilà, on met un lot de poutres en fer. Ça fait très... C'est une 2x2, c'est pas fou, il faudrait une de largeur. Alors, une de largeur. Ah, il faudrait une 2x1. Mais 2x1, c'est... Le problème, c'est qu'il n'y a pas une de largeur. Il n'y a pas. Hein. Pas une table de jardin en fer, 1x1.
Comme je te dis, l'eau de poutre en fer, c'est une deux fois, hein. ça peut passer. La kitchenette en bois de fer, ça aurait plu, hein, mais ou la table basse en bois de fer, je peux faire ça. Écoute, on va faire une table basse en bois de fer. On va en faire une. 2x2, ça fait trop carré, je trouve, faire un buffet, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une table basse en fer. Tac, on va prendre celui-là. Alors là, on va essayer de faire quelque chose. Faire quelque chose de bien, quelque chose de propre, quelque chose de cool, de coolos. Voilà, hop là, on se met en mode travail. Elle sera pas un peu trop basse. On va voir. On va essayer. On va essayer. Qui tente rien à rien, on va essayer. On va voir si c'est trop bas. Bah, c'est trop bas, tant pis. On aura essayé. On aura essayé, mais si c'est pas trop bas, franchement, ce sera énorme. Ah ouais, là, ça va être la classe. Qu'en dis-tu? Moi, franchement, je valide. Quoi? Noni. Mouais. Ah non, tu me dis. Ah non. Mouais. Oh, mouais. Pas un mal de dos pour se servir, quoi. Oui, non, mais ça passe dans le jeu. C'est dans le jeu. Sinon, viens, je t'affronte sur le ring. Hein. C'est un 2v2. Ah, c'est un 2v2 avec Clarkent. Clarkent et moi contre toi et je sais pas. Je sais, non, en vrai, ça passe. Ah. Tu nous rassures. Non, parce que là, franchement, non, mais l'espace d'un instant, on y croyait. Pas ça, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Alors, est-ce que ce sera assez long, le resto? Est-ce que le resto sera assez long? Je veux bien Clarken sur le ring. C'est pour ça que je pense à lui. Alors, oui, on va démarrer Remodil. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme revêtement au sol? Est-ce qu'on met Ah oui, c'est vrai qu'on peut mettre un motif perso. Ouais, je vais pas mettre Yamcha. Un Tom Nook flag. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme motif? Tu as des motifs perso très sympas. Ouais, mais je les ai pas mis. Après, je sais plus où on les voit. Essayer d'en trouver chez les sœurs doigts de je ne sais pas quoi. Ah oui. Attends, est-ce que c'est ouvert encore? Faut que ce soit ouvert. Oui, c'est ouvert. Les sœurs doigts de fée. Et par chance, c'est encore ouvert. Ça va. On a de la chance. Bonjour, je voudrais des motifs perso. Oh! Ah oui, j'achète! Oh, mais il a une loupe d'enfer! Masque en 6 minutes cuir. Je veux. Je veux le t-shirt aussi, le t-shirt, il claque sa race. Enfin, tout claque en fait. T-shirt crâne.
candidu. Oh, candidu. Oui, je voudrais le pantalon punk. Pour être un punk. La paire de mode de travail. Oh là 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 là, magnifique. Oh, je vais être un punk. Imagine une conversation entre une personne Animal Crossing et un Sims. Chip chip, ok, sauvegardons. Nouvelles options de recherche. Oh, cool. Oui, on s'en fout. Par critère. Sol. On va mettre. Car. Ah oui, Flore. Oui, merde, Flore. Car. Oh putain. Ouais, je vais mettre Flore. Oh merde. Flore. Mouais. Ah, le damier est joli, le damier est joli. Bon, je pense qu'on peut trouver un peu plus stylé. Ouais, ça c'est joli aussi. Un passage coûté. Après, c'est qu'il y a beaucoup de damiers. Damier pour la cuisine. Ouais, tu as raison. Damier pour la cuisine. On va prendre celui-là. Un beau parquet pour le resto. Ouais. Allez, on écrase. Un beau parquet pour le resto. Il faudrait qu'on trouve un beau parquet. Un joli, un vrai, un joli parquet. Joli, joli. Ça doit se trouver, ça. Pourquoi tu as Jacques Chirac dans tes motifs? Ah, ça. Un parquet comme ça, non? Ou comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors pourquoi j'ai Jacques Chirac dans mes motifs? Tout simplement parce que non seulement Jean Pépito... C'est loin, mais c'est beau. Mais surtout, une chose, c'est l'hymne national... oui, pour l'instant, en fait, c'est pas mal. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais l'hymne national de Jean Pépito, c'est ça. Jacques Chirac, maintenant président. Ah, ça m'a reboosté. Je me sens revigoré. On va taper Wood. Peut-être qu'on trouvera Wood en sol. Voilà.
Alors, un Wood pour un resto qui n'est pas en faillite. Oh putain, on a Woody. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme joli sol? Oh, ça c'est pour la scène! Ça c'est pour la scène. Déjà on a notre scène. Ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre du coup comme joli wood? Un joli wood. Un joli wood chewing gum. Oh là là, incroyable. Oh, le clair il est sympa. Lequel? Celui-là. Ou celui-là. Oh, plus haut. Plus haut encore ou... Deuxième ligne, quatrième. 2, 3, 4. Oula, 3, 4. Plus bas. Quelle page? Quelle page? Parce que tu vois, il y a numéro de page. Là, on est sur la page 5. Celui-là. Ouais, deuxième ligne et quatrième. Donc celui-là. Celui-là, je trouve sympa. Bah écoute, on va regarder. Allez, ouais, adjugé vendu. Il faudrait une continuité pour la scène, parce que le problème, c'est que la scène ne sera pas toute petite. Voilà, il faut la suite. Voilà. Je me chante PLS, ça me fume. Et ça marche super bien. Ça marche super bien. Je suis sûr qu'il y ait Yamcha. Sûr, si on tape Yamcha, on trouve. Il n'y a pas les motifs. Hein. C'est juste comme ça. As-tu fini d'utiliser la borne? Ouais. On a fini d'utiliser Elisabeth parce qu'Elisabeth borne. Salut le fixe. Salut. Merci de ta visite. À bientôt, j'espère. Oui, t'inquiète. L'écran noir. Ah, recharge ta page ou relance le stream. Si ça fait ça, c'est un bug. Il faut que tu relances. Ou que tu réactualises. Dieu fils, comment dire, je suis dit, oh merde, même ici. Bah ouais, t'as vu ça un peu? Même là, le fisc arrive. C'est pas beau, ça. Alors, du coup, le floor. The floor is lava. Le screen du stream est noir. Oui, actualise ta page ou relance-la. Oh là là, la cuisine, comme elle est belle. Faire des coins carrés. Ouais, putain. Vous savez que j'aime pas ça. Vous savez que j'aime pas les coins carrés. Hein.
J'aime pas quand c'est trop carré. Hein. C'est bon, ah voilà, non mais des fois ça bug, des fois je comprends pas pourquoi ça bug. Il y a des bugs donc du coup ouais, il faut pas hésiter à relancer. Oh là là, les coins carrés, mais les coins carrés, t'aimes pas mille fois, on met pas de l'herbe dans le resto. Je sais, oh j'ai tué le criquet. J'ai tué le criquet, merde. Ah là là, assassin. Oh ben oh, ça va. Ça va, écoutez, vraiment. Pour ma défense, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprends tout simplement pas ces deux phénomènes et je ne leur trouve aucune explication rationnelle. Et pour moi, ne peut être autre chose qu'un phénomène paranormal. Ah, cet enchevêtrement de situation, magnifique. Incroyable. Est-ce que ça va pour la cuisine? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut faire une cuisine? Ouais, il faut faire une cuisine un peu plus grande. On va la faire un peu plus grande quand même, la cuisine. On va la faire comme ça. Est-ce que la cuisine vous convient comme ça, de cette taille-là? C'est une belle cuisine, elle est grande là. Je te rappelle que tu n'as pas grand chose à mettre dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais bon, la salle de resto est grande aussi, je te rappelle. Et j'ai pas grand chose aussi à mettre dedans. Dois-je te rappeler que. Tu as encore la scène à mettre. C'est vrai, ah putain, c'est vrai. La scène, on va la mettre là, la scène, on va la poser, la scène. Voilà. Oh, le piano bar, magnifique. Le personnaliser, oui, je peux le personnaliser, ouais, je peux le personnaliser, voilà. Voilà, déjà, voilà, pour y voir un petit peu plus clair, déjà, au niveau du resto. Voilà, déjà, on va... On va finir d'appliquer toutes les couches. Ah ! Merde, si j'efface le parquet, ça va pas le faire. C'est beau, franchement. C'est loin, mais c'est beau. On met des trucs pour séparer chaque coin, non? Ouais. De la scène? Là, de toute façon, là, il va y avoir. Là je vais mettre quelque chose. Hein. Je vais mettre des murs ou quelque chose comme ça. Au pire, je mets la falaise. Je mets une falaise! Non, je vais mettre des panneaux. Je vais mettre des panneaux pour séparer. La scène des petites barrières, ça passe. Ouais, par exemple. Mais là, je vais mettre des petites barrières là. Là, pour séparer la cuisine de la salle de resto, je vais mettre des petites barrières.
Oh là là, comme ça devient beau. Oh, comme ça devient beau. Merde. Sympa ce petit parquet. Ouais, franchement, très très bonne idée, ouais. Tu as une très très bonne idée, parce que franchement, il est vraiment sympa. Très joli. Très 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 joli. Voilà, magnifique, magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau! Mais comme c'est trop beau! Ah là, la kitchenette fonctionnelle! Du coup, la kitchenette fonctionnelle, on va la mettre là, la kitchenette. Bien sûr, il faut faire la cuisine. Le mini réfrigérateur, il faut le mettre à... Réfrigérateur, il faut le mettre là. Le conteneur à ordures, parce que évidemment, voilà, quand tu fais la cuisine, il faut jeter les trucs. En fait, tu pourrais même mettre un mannequin habillé en costard, faire genre c'est le portier. Oh putain, mais quelle idée! Oh, tu as des idées. Tu vois qu'au final, bah, la cuisine, elle est pas si grande que ça. Hein. Elle est nickel. Elle est nickel, la cuisine. Tu n'as pas un vrai frigo? Non, malheureusement, j'ai pas de vrai frigo. Parce que tu vois, regarde, au final, là, j'ai la place pour la barrière. Là, on va placer l'évier. Parce que c'est très important. L'hygiène est très importante dans une cuisine. Faut pas lésiner à l'hygiène. Oh là là, attention, moment d'émotion. Grand moment d'émotion, nous allons placer notre première table. Oh, oh là là! Oh là là! Et la chaise? Oh là là là, comme c'est trop beau! Mais c'est magnifique! Et là, attention les yeux, attention les yeux, parce que là, bien sûr... Mais là, on va mettre le petit comptoir. Eh oui. Bah oui, mais monsieur, on ne construit pas une cuisine avec trois clous et une vis. Eh oui. Mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu vois ma cuisine? Hein? Putain, bah avec le sol, ça rend vraiment bien. Mais oui, mais clairement. Oh là là. Oh là là. Ça manque de lumière. Et là, du coup, là, il va y avoir la rampe. Et là, on va mettre le portier. Parce qu'on a oublié le portier, bien sûr. Et voilà. Top, faire genre plein de travail. Ah oui, bonne idée. Et là... Ah, le menu du jour, bien sûr. Je peux pas le pousser plus. Oh là là, quel resto, mais quel resto. Oh, il y a un moustique qui va me piquer. Vite, je m'en vais.
Alors, pour la peine. Tu n'as plus de rampe. Il faut que je l'installe. Oh là, magnifique, en punk. Magnifique. Panneau au début de la rampe, ouais. Mais là du coup tu vois j'ai terminé une rampe en fait et là il faut l'inaugurer pour en faire une nouvelle quoi. Alors je peux lancer un chantier peut-être. Alors c'est le jour de Kéké aujourd'hui, c'est Kéké la glisse. Alors déjà qu'est-ce que nous avons dans le coffre? Dans le coffre au trésor, alors déjà on a boîte en carton, cool, pépite de fer, ça c'est cool. Bon je récupère aussi. Après le reste on s'en fout. Ah on va acheter des tables. Table nappée. Qu'est-ce qu'on a en articles spéciaux? Oh, le ventilateur d'extérieur pour faire la clim. On va travailler en collaboration pour son restaurant, c'est clair. Article promotionnel, oui, bon, ça c'est les promos, on sait, ça je les ai tous. Ça. Festival du raisin, bon. Et si on mettait un ventilateur d'extérieur pour faire la clim, non? C'est une idée. Hein. Alors. Table. Oh, banquette d'or, hein, je peux pas l'acheter. Je vous ai une table. La chaise de jardin naturel, je peux pas. Merde. Bon, déjà avec le filtre, déjà ça sera un peu mieux. Table. Donc là, ça nous en fait 3. Ça nous fait 3 tables là. Parce que j'en ai commandé 2. Donc ça nous fait 3 tables. Pas trop vite, on peut trouver des choses pour l'instant. J'ai vu. Ah merde, pardon. On va faire comme ça. Un bac à litière pour le resto. Bonne idée. Alors, qu'est-ce qui pourrait servir comme plan de travail? Oh, une casserole de camping pour la cuisine. on peut mettre le chariot de service. Qu'est-ce que tu en penses? Un chariot de service, non? Ça fait un peu kitsch. Après, on peut mettre une petite cheminée. Un chariot, oui, pour servir. Allez, un chariot. On va le mettre rouge. Conteneur ordure, c'est fait. Des vidéos, on s'en fout. Et les faux bogans. Ouais, les faux bogans. Ça peut être sympa. Hein.
Fontaine à eau, non, fontaine à eau, four en terre cuite, four en terre cuite. J'en ai déjà un de four en terre cuite, on peut... Salut Seb, salut, salut. Salut. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre non, pas la bague gonflable, pas terrible. Kit du petit coin. Oh, le kit du petit coin avec un chiotte. Ah oui, ça, il nous faut. Pour les pizzas au feu de bois. Ah, pour les pizzas au feu de bois, ouais, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Qu'est-ce qu'il y a alors? Machine à popcorn. J'en ai une en réserve. Ça va être sympa. Meuble lavabo, non. Microphone argenté, donc ça on l'a déjà. Bah écoute, ça va, impeccable. Et toi, comment tu vas? Comment tu vas, Seb? Alors. Apparemment impérial. Oh, apparemment impérial, mais j'ai pas de sous. Ouais, j'ai pas de sous. À côté du buffet pour bloquer l'entrée de la machine popcorn. Ouais, pourquoi pas. J'en ai une que je me sers pas, donc du coup on va utiliser celle-là. Bon, ça va en atelier, non. Des spots de sol pour éclairer le resto. Quelques plantes pour la verdure du resto. Ouais, j'en ai des en réserve. Bon, là j'ai plus un rond, ça y est, j'ai plus de sous. Top ça les spots, ouais, ça peut être pas mal du tout. Ah, après il faudra mettre un petit coin, il faudra mettre un chiotte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une falaise exprès pour les chiottes. Remontre les tables. Ah merde, les tables. Table. Donc c'est là, c'est celle qu'on a pris, celle qu'on a commandée, donc table. Table nappée. Alors table d'extérieur, ça pourrait être un plan de travail, ça pourrait être un bon plan de travail, ça. Table de go, non. Table de bricolage Mimi. Attends, regarde les accessoires, si t'as pas des poils ou autre. On a une balance de cuisine. Mais je dois avoir ça à la balance de cuisine. Une boîte de mouchoirs, c'est très important. Oh, la bûche de Noël, je dois l'avoir aussi. Cuiseur de riz, j'ai aussi, ouais. Distributeur d'eau fraîche, j'ai. L'égouttoir à vaisselle, je dois avoir. Grippin, j'ai aussi. Pour le buffet, la bûche. Ok. Bon, attends, on va faire ça parce que là, c'est le shop. Tout ça, faut que tu prennes. Ouais, on va les prendre. On a ça. Ça, on a. Alors, déjà, le plus important aussi, en termes, parlons infrastructure. Il faut penser les rampes. Et oui. Parlons infrastructure. Les ponts et les rampes. Oh. Ah. Tom Nook. Bon, c'est pas grave. Ça lui prend tout son temps. Est-ce qu'on est à nous? Allez, let's go! On va aller prendre du coup tous nos objets. On va te retrouver le sang de tes morts, tu vas manger. C'est clair, elle va le manger en boudin. En boudin, on va le manger! Tu vas voir, ça tombe nous!
Alors. Donc on avait dit. Table d'extérieur pour le plan de travail. Chariot de service. Pour le chariot, bah du coup j'en ai commandé un, mais c'est pas grave. Guitare rock, ça. Bien sûr, pour la sono, hein, c'est normal. L'urinoir, parce qu'on va le mettre aussi. La machine à popcorn, tu m'as dit. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre barbecue, non? Le jeu, le foie, on va les ramener. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La balance, c'est vrai, la balance. La cafetière italienne, oui. Le cuiseur de riz. Le distributeur d'eau fruitée. L'égouttoir à vaisselle. Regarde-moi ça. Oh là là, un mixeur aussi. Le tourniquet à épices. Oh, la machine à café qu'il nous faut, bien sûr. Le gâteau fait par maman aussi. Tout c'est cool. Bah, il nous faut une ampli aussi, hein, c'est normal. Et après, on est bon. Après, pour déposer les cuiseurs, tout ça, tu peux prendre des stands que tu personnalises. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire une allée de stand. C'est vrai qu'on peut faire une allée de stand. Parce qu'on fait un buffet. C'est une bonne idée, ça, le buffet. En fait, on fait le chinois à volonté, quoi. Formidable dans la cuisine. Allez, regarde ce qu'on va faire. On va mettre. La table d'extérieur. Donc, pour la cuisine, à défaut d'avoir des tables. Ah oui! Mais regarde! Là, c'est ça. Merde! Mais non! Mais qu'il est mongol! Il a effacé le carrelage! Non, je vais juste récupérer la balance que je voulais mettre là. Je voulais la mettre là, la balance. Il n'y a pas de mur. Non, malheureusement, on peut pas mettre des murs là. Là, on peut pas mettre des murs. Alors, on va mettre ici, sur la petite scène. Le microphone. On va mettre la guitare rock. Rock and roll, baby. On va la pousser jusqu'au bout. Il faut qu'on mette la sono. La sono, on va la mettre à côté. Sur la scène, le grille-pain électrique et le cuiseur de riz, évidemment. Ben, bien sûr. Je veux la tourner. Voilà. Non, la Vespasienne, on la mettra après. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Ah, l'ampli. L'ampli, bien sûr, l'ampli. L'ampli, on la met à côté, non? Ou on peut la mettre dessus? Ah, on peut la mettre dessus! Oh, la classe!
Là, on va mettre la belle machine à popcorn fonctionnelle, bien sûr, évidemment. Et oui, et oui. On va mettre. Comme on est classe, on va mettre. On va pas mettre la Vespasienne, non, on va mettre le gâteau. Pour donner envie de manger. Oh là là, ok, ok. Mmh, ça donne faim. Là, on peut mettre le chariot de service. Mais on le mettra après. Parce que là, on va mettre le mixeur. On va le placer dessus. Voilà. On va mettre le tourniquet à épices. Sur la plaque de cuisson, hein, c'est bien connu. On a les limites de table, ouais. Ouais, tiens, ils ont fait une limite de table. Mais j'en ai commandé une autre de table extérieure. On va mettre le cuiseur de riz. Non, on va mettre la cafetière italienne dessus. Parce que ça va faire du café. Ça va faire du café. Oh là là. Oh là là, mais quel génie. Oh là là. Incroyable, regarde-moi cette cuisine fonctionnelle. Et là, attention les yeux, on va mettre la petite machine à café pour se faire le café. Le distributeur d'eau fruitée. Attention, c'est pas fini. Chariot de service. Et sur le chariot de service, on va mettre... le tourniquet à épices. Le tourniquet à épices. C'est comme ça, les convives, ils auront de quoi faire. Ils pourront dire, oh, c'est pas assez épicé. Ça manque de sel. Pas de soucis, allez-y, servez-vous, les gars, servez-vous. Finalement, t'as assez de bibelots. Ouais, finalement, c'est classe, hein. C'est tout classe. Surtout, on oublie un élément très important aussi dans un resto qu'il ne faut absolument pas négliger. Du coup, on va créer la falaise. Parce que bien sûr... On oublie, hein, on oublie très souvent, malheureusement, des choses très importantes. Tant plus qu'améliorer des meilleures tables pour le plan de travail si tu en trouves. Exactement. Du coup, là, il me faut un autre carrelage, à moins que je mette du carrelage en damier. Un petit paravent pour cacher les toilettes. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on met comme carrelage pour les chiottes? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme... On met du wood? Ou on met du... Oh, on met du Tom Nook. Carrelage d'or pour les chiottes, ça fait classe. Ouais, non, mais Top Nook, on lui pisse sur la gueule. Allez, carrelage noir. Allez, let's go. Comment on dit carrelage en anglais? Je me rappelle plus. Alexa, comment on dit carrelage en anglais? Hein? Alexa, comment on dit carrelage en anglais? Carrelage,
J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris en fait. Tile. Putain, heureusement que vous êtes là. Hein. Black Tile. Merci Google. Dis merci à Google. Mais je dis merci à Google. Je remercie Google. Je dis merci Google, je chante Google. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme black tile? Alors si vous trouvez de jolis carrelages, n'hésitez pas à donner d'abord le numéro de la page et ensuite la localisation. Ce sera plus simple. Le troisième est sympa. Ah, le troisième, celui-là. Le noir et jaune. Ah, celui-là. On va regarder, quand on va quand même regarder. Ah, celui-là, il est pas mal, celui-là. P1, C3. Deuxième de la deuxième ligne, donc là, deuxième de la deuxième ligne, celui-là ? Ah, il est pas beau. Celui-là, ouais, deuxième de la deuxième ligne, lui, il est joli. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour celui-là ? Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites sur ce carrelage-là pour les chiottes ? Yes, page 1, ligne 1, colonne 3. Alors, page 1, ligne 1. Donc, vous l'aimez bien. Allez, A du G vendu. Allez, on va prendre celui-là. Et donc, page 1, ligne 1, colonne 3. On va le prendre aussi. On va le garder de côté. On va le mettre de côté. Ça va toujours nous servir. Oui, j'ai fini d'utiliser la borne. Ah non, j'aime pas en gros. Oh putain, mais faut savoir. Oh putain. Oh là là. Oh putain. Allez, let's go, les toilettes. Alors, donc là, clac, black tile. Ça fait joli. 40% des bénéfices de ton ratio pour ton tile. Ah bah, quand même. Non mais quand même. Je croyais avoir tout vu hier, mais là j'en découvre encore. Du coup, on va mettre. Il y a pas assez de place. C'est ta sœur, il y a pas assez de place là. Il y a assez de place là. Voilà.
50% alors si 40 te gêne. Non mais. What? Non mais. Noni. What? Ah. On va mettre un petit évier quand même. On va mettre un petit évier parce qu'il faut se laver les mains. Faut quand même se laver les mains, on n'est pas non plus chez les gros dégueulasses. Allô ? Ah. On n'est pas chez des gros dégueulasses non plus, on va mettre un petit évier. Histoire de pouvoir se laver les mains. Et on va voir aussi ce qu'on a en clôture. On a des palissades. Déjà, on va regarder un petit peu les palissades qu'on a. C'est quoi ça? Ah, je croyais que c'était un poisson. Je dis, what? Alors, les palissades. On a des jolies palissades. Clôture en treillis standard. Ça fera l'affaire. Clôture de corde, on va en mettre aussi. Ensuite, je voudrais un lavabo. Le lavabo. Est-ce que nous avons un lavabo ? Bon, bah on va être chez les gros dégueulasses. On n'a pas encore de lavabo. On va être donc du coup... Ah merde ! Qu'il est beau le lavabo. Attention, on va se faire ban. On va se faire ban de YouTube après. Sur la rediff, on va voir une claim de YouTube, on va se faire ban. Oh là là, attention hein. Alors plus que quand même, c'est un très joli resto. Mais quand même pas déconner. Il y a des gens qui peuvent se suicider. Mettre une clôture de corde. Ouais, et puis non plus, attends, on n'accepte pas non plus. Vincent, la gaffe si tu nous regardes, voilà. Vincent, si tu nous regardes. Non, ça fait moche. On va laisser comme ça. Alors, on délimite quand même l'entrée. C'est quand même pas déconné. Voilà. C'est pas non plus un resto de Romanichel, hein. Pas déconner. Hein. Ah merde. Ah. Le tourniquet épice, ah non, si je le mets pas. Et voilà, oh là là, merde, pas cette place. Et comme ça, voilà. Ah merde.
Mais Bordeaux, ça me fume tes palissades. C'est pas vrai ça. Pourquoi tu as enlevé le motif? Ah, clôture en tri standard, on va la mettre là. Parce que du coup ça fait un cache pipi. Et voilà, on peut aller pisser. On peut aller au pissou tranquille. Et comme ça là les gens ils nous voient pas. Là, pareil, hop là. Non, ça fait moche. Voilà. Voilà, là ça fait vraiment resto UP hein. Ça fait petit resto UP là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le petit resto UP là. Voilà, comme ça, oh là, on peut mettre une chaise. Faut pas déconner non plus. Voilà. Là comme ça on pourra mettre une autre table et tout. Là on va mettre un petit projecteur, là, des petits projecteurs ici. Là aussi et là. Nom. Hop, on peut même se servir un petit café. On va se faire un petit café. C'est fait. Ah, ça manque un peu de sel. Ça manque un petit peu de sel, c'est bizarre, mais bon, quand même, dois-je rappeler que... Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Ah, bon, on a bien travaillé, du coup, on va pisser. Ah, mais comme on est des gros dégueulasses, ben on peut pas se laver les mains. Voilà, magnifique le resto, magnifique. Franchement, un resto magnifique. Et petite ambiance jazzy et tout, là. Je vais manger, c'était cool comme d'habitude, des bisous. Merci beaucoup, merci d'être passé là. Je vais te faire un petit solo de guitare. Oh merde. Oh là là, incroyable. Magnifique, magnifique solo de guitare. Ah ben voilà, on a bien bossé. On a super bien bossé. Donc là, maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est faire joli, en fait. Il faudra faire un truc assez joli. Et si on mettait des palissades, si on mettait des clôtures en treillis pour masquer le... Faire un cache-misère. Ça fait style. Ça donne un style. Voilà, comme ça les gens ne pourront pas utiliser l'échelle pour venir resquiller au resto. Attention, c'est un resto UP, il faut passer le vigile Godzilla. Donc il n'y a pas de romanichelles qui peuvent venir. Interdit ça. Magnifique, magnifique, magnifique resto. Voilà. Parce que évidemment, il y a des romanichels qui peuvent passer par là. Ils ne passeront pas, vous ne passerez pas. Voilà, là, et voilà, et ils ne passeront pas. Sauce comme ça. Ils vont essayer de skier par là, très certainement. Mais ils pourront pas.
Et voilà. Pourront pas resquiller. Oh là là, extraordinaire ce système anti-Romain Michel. Là, il va y avoir bien sûr aussi une rampe d'accès pour accéder à la cuisine. C'est, que serait-ce un resto sans sa cuisine? Oh là là, Philippe Etchebousse sera fier de nous. Il ne pourra qu'être fier de nous. Ah là là, Philippe, si tu nous voyais. Je croyais avoir tout vu hier, mais là j'en découvre encore. Oh là là, Philippe, si tu nous voyais. Je pense que tu serais fier de ce resto. Magnifique, magnifique. Bah, c'est super beau, c'est super, c'est super. Hop là, on va faire ça. Clac, remodel, on a terminé. On arrête les travaux, on arrête les travaux. On arrête les travaux parce que c'est pas mal. C'est même plus que pas mal, c'est même plus que parfait. Nickel, nickel, nickel. Bah voilà, on fait une pause. Oui, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. Parce que c'est super bien fait. J'aime le travail bien fait. Et ça, ça, c'est du travail bien fait. Qu'on se le dise, c'est du travail bien fait. Magnifique. On continuera du coup le resto la prochaine fois. Voilà, comme ça on mettra les belles rampes, on sélectionnera d'ailleurs les rampes les plus adéquates qui iront du mieux que possible au restaurant, parce que bon, le resto a quand même une certaine prestance, hein. c'est pas le petit resto, c'est pas le petit McDo, hein. C'est le resto, c'est le bon resto. Voilà, en tout cas, bah écoutez, j'espère du coup que ce live vous aura plu, malgré les petits lags de caméra. Là, je m'aperçois des petits lags de caméra, de cette nouvelle caméra, parce que du coup, il y a une nouvelle configuration, bah, avec c'est l'arrivée de la nouvelle caméra. Je suis un petit peu déçu que ça lag, malheureusement qu'il y ait des petits lags de sa part. Mais n'ayez crainte, ce sera corrigé, enfin, j'espère. J'espère. Voilà, on va baisser un petit peu la luminosité, que ce soit pas trop fort non plus. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futurs contenus. Peut-être un live sauvage demain, mais voilà. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le petit Discord. Un Discord assez sympa, assez cool, où il n'y a que des gens bons. Et si vous le rejoignez, il n'y aura que des gens bons et exceptionnels. Il est ici, le lien, il est là, il est magnifique. Oh là là, incroyable, je le touche, incroyable. Incroyable, il est là, il est magnifique, il est presque aussi salé que moi. C'est bien sûr le lien du Discord. Donc peut-être que j'inverserai les caméras, je ne sais pas trop. On verra. De toute façon, voilà pour la nouvelle configuration des streams. Quoique non, on va laisser comme ça. Mais voilà, en tout cas, nouvelle configuration des streams avec double caméra. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je trouve ça assez cool, assez sympa. Ça change un petit peu. C'était Foils. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Et merci d'avoir regardé cette VOD jusqu'au bout. Malgré les petits bugs, parce qu'il y a eu des petits bugs en tout début, mais qui ont été vite corrigés. Mais bon, ça, malheureusement, ce sont des petits bugs techniques. C'était Foils. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain! Ciao, ciao!